à tous et bienvenue dans Paper Mario Lamière. Oh voilà, j'espère que vous êtes contents que je sois revenu, oui, nous sommes là, nous sommes de retour, c'est le retour du retour du retour du retour du retour. Chaque épisode est un retour, je ne sais pas comment je fais. Eh bien la dernière fois nous est... Il est où Mario? Il est où Mario? Pourquoi je suis violet? Ah! Dans l'épisode précédent, Mario il a battu le fantôme sans nom qui transformait les villageois en cochons. Du coup Mario a récupéré la gemme étoile, mais en fait c'était pas Mario, c'était le fantôme sans nom qui transformait les villageois en cochons déguisé en Mario. Du coup Mario doit retrouver le nom du fantôme sans nom qui transformait les villageois en cochons afin de pouvoir le battre et récupérer son apparence. Et du coup Vivienne s'est fait bolosser par sa sœur. Elle a rejoint Mario parce que du coup elle sait pas que c'est Mario vu que le fantôme sans nom qui transformait les villageois en cochons a pris l'apparence de Mario. Et maintenant Mario va enquêter avec Vivienne pour retrouver le nom du fantôme sans nom qui transformait les villageois en cochons. Ah, ok. Bon alors du coup, il faut qu'on enquête avec Vivienne pour savoir pourquoi je suis violet. Enfin, pas pourquoi, mais plutôt... Comment redevenir Mario normal? Et donc, nous allons interroger cette évidente qui a l'air de tout savoir. Tu devrais essayer de vivre ici. Sombre comme tu es, ça devrait te plaire. Non. On me dit souvent que je ne suis pas épais, mais à côté de toi, c'est rien. Les gens sont pas respectueux ici. Ah, ah, tu connais pas ce type à casquette rouge avec une grande moustache? Ah, ce bon vieux Staline. Ah non, il parle de moi, merde. Il s'appelle Mario, c'est le héros de notre village. Jage, tu es un héros, toi aussi? Non. Bon, eh bien, nous allons écouter ces brins d'herbe. D'accord. Bah, vous savez quoi? C'était plus constructif que ce que m'ont dit ces trois connards! Bon. Je me souviens que Vivienne avait parlé du fait que les corbeaux savaient tout sur ce pays. Vivienne, je t'écoute, hein. Écoute, ah, putain, elles sont là, je veux pas leur parler. Alors, nous allons parler aux corbeaux. C'est pas du tout un cri de corbeau, mais c'est pas grave. Alors, il faut les épier pendant qu'ils ne se doutent pas que nous sommes là. Alors, écoutez. Dis donc, mon fils passe déjà le corbac cette année. Déjà, c'est fou comme le temps passe. Pas la meilleure piste, hein, Viviane, c'est pas très fiable ton truc. Ce mot les sombres et contradictoires. C'est peut-être pour m'enfuir d'ici que j'ai les ailes. Bah oui, va-t'en. De toute façon, personne n'aime les corbeaux. Bon, y'a bien des corbeaux qui vont m'aider. Tu sais, ce Mario, c'est le fantôme qui changeait les villages en cochons. Personne ne s'en aperçoit, qu'est-ce qu'ils peuvent être naïfs, ces humains? Oui, le vrai nom de ce fantôme est caché dans les sous-sols, je le dis occulte. Mais si quelqu'un lui dit son nom, alors là, il perd tous ses pouvoirs. Ah ah, c'est donc ça. Tu as entendu? Le nom du fantôme est caché dans les sous-sols de l'église occulte. Oui, vite, à l'église occulte. Et vite, la carte des défis! À chaque début d'épisode, j'impose un défi lunatique pour pimenter un peu l'aventure. Le défi de cet épisode sera... Quitte main libre! Mario n'a plus le droit d'utiliser son marteau, sauf en cas d'extrême nécessité. Bah ça devrait aller. Allez, bon courage! Comment ça j'ai pas le gros marteau? Non, s'en bat les couilles, je me casse! Bon d'accord, bon j'ai pas le gros marteau, très bien. Bon, je vais pas en mourir, je devrais... Enfin, j'espère. Si j'en meurs, c'est un peu triste quand même, j'ai pas envie de mourir, ce serait pas... Non? Non, bah non, hein, on est d'accord, Vivienne, non. Ciao, ciao, je t'attendais! Mais j'aurais pu t'attaquer au village, mais je me serais découvert! Oh putain, encore lui. Ah, tu es le fantôme qui lui a volé son nom et son corps! Mais attends, j'ai déjà vu ce visage quelque part. Bien, bien, je vais nous donner une chance. Alors, comment je m'appelle? Bah, c'est bon, on n'est pas cons non plus, on l'a tous reconnu, hein, voilà. C'est Luigi, je veux dire, bon. Merde, au bout d'un moment, ça se voit, c'est... y a une casquette, une salopette. Pouah, non, pareil, je plaisante! Comment ça, qu'est-ce qu'il a ce nom? C'est très bien, Luigi! C'est très très bien, Luigi! Moi, j'aime beaucoup ce nom, d'accord? Hein? Moi, j'aime bien! Je veux Pepper Luigi! Oh 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 oh, n'essaye pas de fuir pour la bataille! Mais bon, ça veut dire qu'il faut que je fuis encore. Voilà. C'est la preuve vivante. Bon bah Viviane, bah attends, Viviane, est-ce que tu peux faire quelque chose, quoi? Envoie un coup de poing à l'ennemi et l'enflamme. D'accord. Bam! Ah oui, très utile, merci beaucoup Viviane, on t'aime beaucoup. What the... Ça lui fait même pas mal. Mais il est nul à chier ce gars. Bon, c'est marrant, on se barre. Mais il s'est enfoui, encore. Ah oui, encore, je vais pas rester là alors que je connais pas ton nom. Il avait vraiment l'air de t'attendre pour se débarrasser de toi. Dépêchons-nous de faire en sorte que tu retrouves ton nom et ton apparence. Mais je crois que Vivienne est en train de comprendre que je suis Mario et du coup, elle est en train de se poser des questions genre « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Il faut que je te tue ou est-ce qu'il faut que je t'aide? Je ne sais pas !» Bon, en même temps, après les coups bas que lui ont fait ses sœurs, j'ai envie de te dire... Bah reste avec moi quoi, reste avec moi. Regarde, on est de la même couleur, on peut se marier. Allez, viens avec moi, viens, on va se marier.
D'accord, j'ai une mission à faire, j'ai compris. Alors avant toute chose... Ah, j'ai beaucoup d'amis. Avant toute chose... J'ai mis mes badges, c'était très chiant. Non, mais non! Je déteste ces ennemis! Bien sûr, par l'hyperbagamba. Bien sûr, on va tuer le Goomba Pig, hein, bien sûr. Parce que j'ai pas le droit d'utiliser le... Et comment peut-on appeler ça? Le marteau, hein, voilà. Bim! Ah oui, 4! Ah, c'est parce qu'elle a puissance plus, monsieur. Alors, ne chante pas. Oui, oui, barre-toi. Très, très bien. Très, très bonne initiative. On apprécie ce genre d'initiative, hein. Et c'est le niveau supérieur. Voilà, c'est écrit là. C'est écrit là, niveau supérieur, voilà, merci. Putain, c'est trop triste, du coup. Genre, tu vois juste sa silhouette, mais tu vois pas Mario, mais tout le monde l'applaudit quand même. Genre, ils sont là. Je le connais pas, celui-là, mais il fait du bon boulot, quand même, hein. Puis que Mario, il a arrêté ses spectacles, le petit nouveau, il est pas mal, hein. Bon, ça fait un peu plagiat, genre... un petit peu mat podcast et tout, mais c'est pas mal. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je me donne des PC, je me donne des PB, je me donne des PB. Donne des PC, tiens. Donner les PC pour une raison simple. Comme ça, j'enlève le badge PC plus. Ah bah j'en avais pas mis. Quel connard. Bon bah voilà, hein, la prochaine fois on fera PF plus. Ah bah du coup j'ai 25 PV, c'est un petit peu trop facile. Enfin bon, bah, j'y peux rien, j'ai oublié. Hein. Oh, ah, oh. Non. Ah bah si. Alors du coup je peux réutiliser multibomb, mais il y a l'hyper Goomba Pig et ça, ça me fait chier. Donc on va utiliser coup de séisme, comme ça vous ferez pas chier. Ah je suis énervé. On me vole mon apparence et tout, moi je suis vénère hein. Le gars il m'a forcé à faire 1300 allers-retours du château jusqu'au village de merde. Je vais lui apprendre la vie moi ce connard. Voilà mon gars. Ça c'est beau. Oui mon gars. J'aime pas les fleurs. Les fleurs c'est fait pour qu'on leur arrache les pétales de la tête une par une. J'aime pas les fleurs. J'aime pas les Goombas non plus. Je vous aime pas. Je vous tuer. Voilà t'es mort. Quoi si tu veux mourir. Putain. Bon on gagne plus que 1 point étoile à chaque fois mais ça fait du bien quand même hein. Faut le dire. Bon. Ah non 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 non. Oh comment suis-je censé battre cet ennemi vert de merde là. Sans mon putain de marteau. Chier. Ah! C'est mal. Non! 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 Ah non, alors, non, ah non, ah non, ah non, je dis non. Non, 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 tu ne, non, non, tu ne fais pas ça. Tu ne fais jamais ça. Non, non, mais non, mais non. Non, je suis réveillé, alléluia. Je déteste ces putains de fleurs de merde. Le saviez-vous? Alors, coup de séisme. Ah oui, non, mais j'utilise tout, hein. Ah, je pète tout, moi, reste ça, je... Ah, j'ai plus aucune honte. Ah bah Vivienne, elle se tape en somme, du coup, elle s'en bat les couilles. Ah, je suis en train de faire l'étoile la plus grosse et la plus merveilleuse du monde, et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est dormir. Ah bah bravo. Mais ça la réveille même pas, hein. Le je m'en foutisme total de cette personne. Genre, c'est bruit random, genre... Non. Alors toi, je t'aime pas. Ah non, mais toi, je te le dis direct. On est enfin arrivé. Rimaku. Le château, on l'avait fait de fond en comble, il nous manquait quoi, au final? Il nous manquait pas grand-chose dans le château. On n'avait pas été jusqu'au bout ici. Je m'étais barré comme un sagouin la dernière fois parce que j'avais peur. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je m'étais barré. Hein, entre autres. Me dis pas qu'il va falloir que je me les retape tous. Par putain de pitié. Bah ah bah non. Bah non, bah pas bu. Alors pas bu du coup, hein. Ouais. Voilà. J'espère qu'il faut pas tout ça leur faire. Oui, c'est bien, voilà. Foutez-moi la paix, c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Ah, vous êtes bon. Ah oui, ah, vous êtes merveilleux. Ah oui. Alors, ah bah tiens, voilà, on pouvait pousser la porte. Bah, c'est parfait. Oh, Vivienne, ne m'aide surtout pas. Voilà, alors, mais... Hein? Allô? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah, Vivienne, pousse! Pousse, Vivienne, tu vois pas? Ah, putain, Vivienne, elle bloque la porte. Ah, c'est bien, Vivienne. Pendant que tu bloques la porte, on va te peloter le... Pardon. Bon, ok, d'accord, j'ai compris, d'accord. Alors, comment... Ah, attendez, attendez. Ah, mais c'est bien sûr... Mais c'est bien sûr, Vivienne. Tu es intelligente. Bah, il y a une porte, mais j'aime pas les portes. Non, je rigole. Allez. Un soleil. Petit escalier souterrain secret. Petite dalle en bois secrète. Tout est secret ici. C'est merveilleux. Petit couloir secret. Ah ouais, je soutiens. Hein. Tout est secret. Hein. Oh, mais du coup... Eh, mais qu'est-ce que c'est que ça, donc? Bonjour. 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 Ah bah merci beaucoup. Alors... Obtenu un P. Non, je ne ferai pas cette putain de blague. La lettre nécessaire pour que Mario récupère son nom. Mais genre, le gars, il a volé une lettre. Genre, il s'est dit, bon, alors... Bon, ils vont peut-être connaître son nom, mais je vais quand même leur enlever la lettre, hein. Hein, comme ça, nique sa race. Mais, bah, too bad, je suis là. Une clé de la clé de la pièce. Genre, clé, ouais, ok. Genre, c'est écrit dessus, c'est... Cette clé est faite pour cette pièce. Bah, ça, c'est intéressant, ça. Ah bah oui. Bon, du coup, va falloir attendre quelques niveaux, mais, oui. Oui. Un tout mou. Rend ennemi tout mou et diminue sa
Mais qu'est-ce que je m'en branle, non? Hello! Hello! Ah, mais dis des trucs différents à chaque fois. Dehors! 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 Ah, je le ferai parler. Dehors! 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 Bon, je crois qu'on le fait chier. Liliane, tu sais ce qu'il reste à faire? Petit canin, hein? Quoi? Mais ils sont passés où? Bah, quelle poisse d'être enfermé! Tout ça parce que si on apprenait son nom, il perdrait ses pouvoirs! C'est pas une raison pour m'enfermer ici, moi qui le connais! Franchement, gardez la lettre cachée de son nom! Pfff! Mais c'est qu'il fait faim! J'espère que Rumpel ne va pas tarder! Ha ha! Quoi? Dehors! Dehors! Oui, bah, de toute façon, tu viens de dire son nom. Ha ha! Nous savons qu'il s'appelle Rumpel! Bon bah voilà, maintenant qu'on sait ça, on peut y aller, on peut aller niquer sa race. Petit cœur! On l'a bien eu. Ça, c'est de l'espionnage. Alors, ce type s'appelle donc Rumpel! Allons récupérer ton nom et ta silhouette. Finissons-en avec ce fantôme. Oui, bah pourquoi tu te baisses? Alors, attention, on va être attaqué, on va être attaqué. Ah, baisse-toi! Bon, moi, ce que je propose. T'arrêtes de me faire ce genre de coup bas, hein. Je sais que t'es un fantôme, que t'aimes bien faire peur aux gens, mais fais pas genre tu vas m'abandonner, hein. Donc, je disais, comme c'est chiant, ce qu'on va faire, juste faire ça. Voilà! Merci beaucoup, Viviane. Ah, c'est pratique, hein, les ellipses, hein. Ah, c'est pratique. Ah, et le pire, c'est que cette ellipse s'est vraiment très très bien passée. Il n'y a pas du tout des scènes coupées. Non, 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 non. En fait, si. Ah non, bah non. Bah voilà. Bon, alors, vous l'aurez remarqué, pendant cette magnifique ellipse, j'ai regagné ma vie. Hein, c'est parce que les câlins de Viviane sont très réparateurs. Bien entendu. Alors, oui, je ne peux pas sauter, je ne peux pas marteler. Bam! C'est un petit peu gênant, là. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ah, aïe, 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 j'ai mal. J'ai déjà mal. Je vais pas réutiliser mon pouvoir étoile encore une fois. Défense. Et du coup, Viviane, bah si tu peux en niquer un, fais-toi plaisir. Aïe, aïe, aïe. Ah bah oui. Non, mais ça va, ça va. Ah, 6. Qu'est-ce que c'est finalement, 6 de dégâts? C'est rien du tout. On a gagné ce combat, quel chiant, oui. Non, 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 non. Voilà, très bien. Reste seul dans ton coin, espèce de nul. Là, maintenant, l'astuce, c'est de ne pas se tromper dans son nom. Ciao, ciao, je t'adorais. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Alors, comment je m'appelle? Who's your daddy? Voilà, il s'appelle Rumpel. Voilà, c'est parfait. Alors, du coup, fin. Mais non, vous l'avez remarqué, il y a une photo de frappe, MDR. Voilà. Rumpel. Oh, comment peux-tu connaître mon nom? C'est... Oh là là, le bâtard, alors... Attrapons-le et récupérez ton nom et ton apparence. Où crois-tu qu'il soit parti? Dans ton beau cul. Ou alors sinon, bah dans le château. Au choix, c'est toi qui choisis, hein, voilà. Il faut encore faire un putain d'aller-retour dans ce putain d'endroit de merde! Elles sont pas fait chier hein, pour ce chapitre, hein! Tu dois juste faire 30 000 allers-retours absolument similaires! J'en ai marre! J'en ai marre! Alors, du coup, Viviane, on va faire la même chose que tout à l'heure, hein, pour pas faire chier les gens. Voilà! Voilà! Ah bah! Oh bah, c'était encore plus rapide que tout à l'heure, c'est parfait ça! Allez, on va passer par là cette fois, ça nous changera. On va aller voir ce fameux Rumpel et lui donner une bonne leçon une bonne fois pour toutes. J'avais pas vu, merci beaucoup d'être venu, mon cher ami Cyril Hanouna. Mais il triche, mais voilà, ah bah voilà, bah Mario, bah bravo. Bienvenue Mario, bienvenue dans un univers où tu ne sers absolument à rien. J'espère que tu es content d'être venu. Allez hop. Ah ouais, alors ouais, c'est Mugiwara no Luffy, hein, c'est le corps extensible maximum. Hein. Ah, bien joué. Ah, très très bien aussi. Ah, mais c'est pas possible. J'ai pas le timing. On va soigner Viviane, hein. Oui, oui, oui. On va pas laisser mourir, ça sera dommage. On vient juste de se connaître, bon. Pas mal. Ouais, t'en fais ton taf, hein. Bim! Voilà. Comme un moulo au coup de poil au feu. Je crois que ça s'appelle Red Hawk, en fait, cette attaque. Mais c'est pas grave. Oh bah, il a réinitialisé l'escalier. Il m'a vraiment pris pour un con, hein, lui. Hein. Rumpel, me prends pas pour un con, s'il te plaît. Oh. J'ai réussi à deviner ton nom. Au bout d'un moment, c'est tu sais qu'il va t'arriver des embrouilles. Tu ne fais que retarder l'inévitable. Regardez-moi cette tête de con là, hein. Ah, ça fait le malin, mais alors dès qu'on connaît ton nom là, tu fais le malin, hein. Ah, t'es comme ces gens sur internet là, hein. Ah, dans ton anonymat, tu te crois fort, mais après, tu fais plus le malin. Dès qu'on connaît ton nom, ton adresse là, tu sais, oh papa, maman, les gars, désolé, je ressens comme une envie de m'isoler. Et je cite du Maître Gims, hein, ne me jugez pas. Viviane, ce sont tes amis, tu peux pas leur dire de pas faire chier? Dire t'es un fantôme, ce sont des fantômes. T'as qu'à leur dire, bah fermez vos gueules, je sais pas. Ah, le bâtard! Non, non, bah si. Hop là! Du coup, un fantôme, quand ça meurt, ça devient quoi?
Enfin, parce que bon, c'est une question. Viviane, est-ce qu'avant d'être un fantôme, tu étais quelqu'un? C'est une question qui mérite d'être posée, quand même. Wow. Alors, fais pas trop la baleine non plus, hein. Viviane fait officiellement 75 mètres de haut. Bon, c'est l'heure du duel, hein. Allez, est-ce qu'on se soigne? Bah non, allez, on va pas se soigner. Alors, il est où, Rumple? Ciao. Vous ne comprenez pas que vous m'importunez ici? Bah, j'ai compris. Si c'est comme ça, nous allons tirer ça au clair. Alors, d'accord, vous autres? Bien sûr, Mario. Moi, j'ai vu qu'il sortirait pas tout seul, alors il s'est associé à l'obscur trio, putain, le bâtard. Ah, je ne supporte pas qu'on s'attaque à toi, Mario, chéri. Ma montrerai ce que tu sais faire, Gonzalez. Très bien, Mario va donc affronter cet homme sans nom ni visage. Mamma mia. Mario? Ce voleur de nom et de visage prétend qu'il s'appelle Mario. Mais alors, toi-même, tu es Mario? Alors en fait, elle a pas encore compris. Hein. Elle est un peu con. Elle est mignonne, j'ai pas envie de lui mentir hein, quand même. Je suis Mario. J'espère que tu m'accepteras tel que je suis, Viviane. Tel que moi je t'accepte tel que tu es. Acceptons-nous les uns les autres. Si jamais j'ai aidé Mario, ça m'a chauffé. Oh, serais-tu en train de perdre une amie? Bah, tu n'as pas besoin d'elle. Oh, le fils de... Il essaie de foutre la zizanie dans mon couple. Oh, tu n'as pas le charme de Mario, l'ami. C'est pour ça que tes amis te fuient. Mais, elle m'a abandonné! Viviane! Reviens! C'est parce que je t'ai pas soigné, c'est ça? Putain, non, mais il va falloir que je me tape ce boss tout seul. Ok. Attends, je peux sauter sur Gomelli? Il en est hors de question. Je ne ferai jamais du mal à mes coéquipiers. Jamais je ferai du mal à mes amis. Dommage que ça ne soit pas Cumulia. Ah quoi? Rumpel, espèce de salaud, tu m'obliges à faire des trucs horribles. Aïe! Ah putain, il fait beaucoup plus mal qu'avant. Ah non, Gomelli, non! Non! What the fuck? Hey, mais calme-toi! Hey! As-tu vu? Wow! Gomelli n'a jamais été aussi puissante de sa vie! C'est quoi, il lui a pris des super attaques à Gomelli ou quoi? C'est... Wow, Rumpel! Je viens de me faire bolosser par Gomelli! Qu'est-ce qui se passe? Oui, top forme, il faut que je me soigne. Ah putain, mais Gomelli, elle m'a bolossé! Non, parce que moi, je voulais pas l'attaquer, mais si c'est pour me faire bolosser à ce point-là, je vais pas avoir le choix. 10 points de vie, ça devrait suffire à survivre, j'espère? Mais comment je vais faire tout seul, moi? Non, Gomelli! Ah putain, merci. Pardon, grande sœur. Je ne peux pas laisser tomber Mario. À la vie, à la mort, Mario. Oh, oh merci Viviane. Oh, Viviane, je t'aime. Ok. Il est temps de donner une bonne leçon, une bonne fois pour toutes à cet enfoiré. De voleur de nom, de voleur de copine, de voleur de métier, de voleur de tout ce que tu veux. De sale voleur, hein. Non. Oh le bâtard! Ah oui, mais elle a le droit. Oui, non, mais Viviane, t'as le droit. T'as le droit de la bolosser si tu veux. J'avoue qu'en plus, elles vont être un peu rivales toutes les deux maintenant, donc... En soi, c'est un affrontement logique. Bon, alors, tu sais quoi, tu fais un saut toupie, bah moi aussi... Ah ouais, ouais. Le super rebond, ça fait longtemps? Bah oui. Hein, merci de m'avoir rappelé que j'avais des attaques aussi puissantes. Bah tu vas prendre cher, mon gars. Voilà, il a pris très très cher, comme vous avez pu le constater. J'ai un peu honte à moi. Qui fait le malin, tombe dans le ravin. Allez hop. Mario, ne te relâche pas! Mais c'est pas Mario, mais... Oh putain, bâtard. Ah ouais, toi... Voilà, je suis désolé, Gomelli, mais là, j'ai plus le choix. Je la lâche au bout de ma vie, je vais bientôt mourir. Ah non! Je ne vais pas mourir... Je ne vais pas mourir... Non, mais tous les points... Mais pourquoi? Quoi? Tous les points de vie de Mario qui viennent au moment où je suis empoisonné, mais c'est dégueulasse. Je faisais ça pour soigner Mario, moi, à la masse. Je suis dans la merde. Coquachet. Ah, il est bientôt au bout de sa vie, bah oui. Easy. Il a 17 points de vie, il va bientôt mourir. Oh, allez, ça va. Ce Mario ne va plus me résister longtemps. Aïe. Voilà, c'est bien. Viviane, protège-toi. Fais attention. Là. Ok, alors je tente le coup de poker. The poker face. Allez mon gars. Ça fait mal. Et maintenant le poker face. Oh putain, oh non, ça va trop vite. Bah non. Ok, alors. Je me cache les yeux et j'appuie au hasard. Non! 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 Ok. Quoi? Oh. Tu vas bien calmer ta race. Calme-toi. Tu me balances rien du tout. Ah, le tout pour le tout. Hein. On tente le coup critique.
Le truc qui ne peut absolument pas arriver dans le jeu, mais c'est pas grave. Allez, Mario ne va pas mourir, j'y crois. Oh, je me sens mal. Non, non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Non, non. D'ailleurs, est-ce que j'ai un truc pour me ressusciter si jamais je meurs? Ah bah non. Ah, c'est pas mal ça, c'est une belle option. Non, parce que là du coup, il y a même plus de suspense, genre si jamais je meurs, là, il y aura plus de suspense du « Oh là là, a-t-il un champivy caché ?» Bah non. 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 Oh, oh, putain. Oh, putain de sa mère. Oh, putain de sa mère. T'es mort. T'es mort, t'es tellement mort, t'es tellement mort. Tu l'es. Rends-moi ma vie, ma femme, rends-moi tout. Mais pourquoi? C'est dingue. Oh, non. Ah, Mario. Oh. J'ai failli mourir des mains de Goumeli. Ça aurait été le truc le plus horrible de la vie. Quoi? Ah, et me revoilà devenu le Mario. Zut, ne m'oubliez pas. Hein? Mario s'est enfui. Elle est toujours aussi con. Enfin, ça dépend. C'est lequel le vrai Mario, celui-ci? Wesh, on m'aurait trompé. Oh, je me serais trompé le Mario. Oh, mais quel idiot. Mais ça, c'est qui? Un membre de l'autre trio dans Palais Gonzalez? Qu'est-ce que vous faites ensemble, Gonzalez? Très bonne question. Bon candidat. Eh bien, c'est que... Bah, peu importe, elle nous a donné un coup de main, ne chipotons pas. Exactement. Mario, comment dire? Tu sais, j'aimerais bien rester avec vous tous. Sous. Genre le petit oui, genre, ok, t'inquiète. Aucun accord, aucun contrat signé. Mario, tu fais tout au black, c'est pas bien. Elle nous a volé l'étoile! Oh, c'est une traîtresse! Ah non, elle me la donne, d'accord. Tiens. Et vous avez trouvé une jeune étoile! C'est la même que la dernière fois, sauf que cette fois, vous l'avez enfin eu pour de vrai! L'énergie étoile de Mario monte à 5. Et maintenant, Mario peut se servir de... De quoi? De train? Oui, alors, Mario peut se servir de Traspo! C'est très bizarre comme nom. C'est la fin! Alors, un peu les vaincus! Et on se retrouvera dans le prochain épisode! Ouais! Mario s'est débarrassé de Rumple, récupérant ainsi son nom et son vrai visage, ainsi que sa moustache. Il possède désormais 4 gemmes étoiles et 2 waifu. Plus que 3 à trouver. Des gemmes étoiles, pas de waifu. La moitié de la quête est sans doute enfin dépassée. Mario peut compter sur un compagnon supplémentaire en la personne de Viviane. Mais où sont donc passés Marjolaine, Marilyn et Rumple qui s'est enfui? Dans ton beau cul.